On l'avait Ah. jamais tenté, le mode lève-le-pied, je crois, non? Si. Si? Enfin, Si, si. pas avec toi, mais on l'avait déjà tenté il y a... quand on est passé en 2021, je crois. D'accord. Donc ça remonte à quelques années. À quelques années, oui. D'accord. Alors, je vous ai Après, je mis le suis pas lien trop. de Gardic Phone dans le canal stream du Discord, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint. Ah, faut rejoindre, d'accord. J'attendais le signal. Pardon. Oui, Ouais, tu peux, tu j'attendais peux. un signal. Vite, vite, appuie sur le bouton. Pour ceux et celles qui suivent de loin et qui ne participent pas mais qui écoutent, vous avez un lien multi-stream pareillement dans le même canal pour suivre tous les streams de ce soir. On est 1, 2, 3, 4, 5 ce soir en stream. J'avais mis Rimfire dedans mais il n'est pas là du coup ce soir. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre tout le monde au passage, les abonnements, tout ça, les follows, c'est cool. On est 10, ça va être une boucherie. Ça va être une Oh, ça va être boucherie. une Mais non. boucherie, ouais. C'est le Alors, terme. c'est le principe du Pictionary et du téléphone arabe combiné. Est-ce qu'il faut expliquer l'un ou l'autre ou tout va bien si on parle déjà de Pictionary et de téléphone arabe? Qui ne dit bon consent. Nous, ça va, nous, ça Ah, on a joue. compris, ouais, c'est bon là. Ok. Alors, on va faire une normale, normale. Juste pour se mettre dans le bain, et, comme d'habitude. On va écrire une phrase, une expression, peu importe, vraiment, que ce soit un peu loufoque, mais attention, que ce soit pas Peggy 18 non plus, hein, on va éviter. Et après, une fois qu'on aura, chacun aura écrit la phrase, on va se retrouver avec les phrases de Jean et il va falloir les dessiner. Puis ensuite, il faudra retrouver une phrase, puis le dessin, puis la phrase, puis le dessin. Et au fur et à mesure, ça fera un enchaînement qui n'aura plus aucun sens, qui n'aura plus ni queue ni tête, bien entendu. Tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Yes. J'attends que Imra se démute. On va lui envoyer un télégramme. Et Un voilà. télégramme chez qui? Chez Bonsoir. toi. Bonsoir. Chez toi. Ah bah ça tombe bien. Bah, je suis Bonsoir là. Imra. Bonsoir Ça va Imra. et Tout ça. Ça va les copains? toi? Oui. Ça va, super, écoute. Je suis en train de manger. On est on Ça point. va. Tu te remets de tes Mais non, manger émotions? c'est tricher. Ouais, franchement, ça va aujourd'hui, hein. Ah ouais? J'ai ragé 1000 fois plus hier, hein. D'accord, ça va alors. Alors attends, je compte Non, combien on est franchement, sur ça va. Discord. 9, 10, 3, 6, 9. Il manque quelqu'un ou pas? Est-ce que tout le monde est là dans le Gartic Phone? On est 10 sur Discord, 10 sur Regartic, ça a Oui, l'air bon. ouais. Nous sommes là. Ok. Les absents, levez la main. Ouais, s'il vous plaît. Respect, hein, les absents. Allez, on démarre. Ils ont toujours tort. Pas de thème, on fait ça là. Là, c'est juste la mise dans le bain. Ok. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué, là vous devez faire une phrase ou laisser celle qui est mise par défaut. Mettez ce que vous voulez, tant que c'est dans la limite de la bienséance, on va dire. Faut que ce soit Twitch friendly. Voilà. Ça commence bien. Mettre par là, moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah bon? Ah. Aïe, ok. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ah Alors, ouais. n'ayez pas peur de Ça vos me prend mal. talents ou de vos non-talents, il y a toujours pire que vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Bah dites-vous qu'à partir du moment où je suis là, déjà, il y a très peu de talent déjà, donc. Ne vous inquiétez pas, quoi. Pourquoi je le fais presque mignon lui? Terrible. Ouais, mais le mien, il est compliqué parce qu'il est limite. Enfin, là, ça va partir en cacahuète, hein, je vous le dis tout de suite. Bah, c'est pas grave. Tac. Tac. On va essayer de faire quelque chose comme ça.
comment est-ce que je peux Je dessiner sais ce pas quoi faire de petit plus. détail? Attends. Ce petit détail. On va faire quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment de l'à peu près, hein. Sacré Jean-Michel. Jean-Michel Aplati. À peu près. Pour ceux qui ne savent pas, il y a CTRL Z pour annuler la dernière action. On est bien, c'est pas mal le premier. C'est rigolo. Ça On va va être voir. très dur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que Ah, ça? sympa! Ah On est non, à un comment ça nombre s'appelle? pair, ça terminera sur un dessin du coup. Probablement. Il me semble. Tu vois, il y a une chance sur deux. C'est pas mal. Oh, le chien. Ah. Ah d'accord. Non mais pourquoi pas. Ok. Très très bien. Alors. Non, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Machin comme ça là. Ah ouais, mais ça devient suspicieux là, ce que je suis en train de faire ça involontairement. Au bout d'un moment, tout sera très suspicieux. C'est ça. Tout Surtout sera avec très suspicieux. certains esprits ici présents, on pense ça va assez vite quand même. Hein. Je pense qu'on va vite tourner sur de la roule 34, là, garantie. Ça arrivera forcément. Est-ce qu'on a le droit d'écrire des noms, Non. des mots? Non. Par contre, si à un moment donné, imaginons que tu es sur une scène de marché et que tu veux mettre des prix à tes légumes ou à tes fruits, tu peux par contre. Ah, faut pas que t'écrives un truc évident, je veux dire, qui. Ah, faut pas que ça donne trop d'indices, quoi. Ça va de Voilà, l'être. faut Est-ce qu'on donner la met, on peut réponse, mettre des quoi. chiffres ou pas? À part les prix et tout comme ça. Et des flèches, ça passe? Ouais, Les oui, flèches. elle... Les après oui. chiffres, des fois, on met des années. Ouais, d'accord. Merde. Mais ça dépend le thème. Oh. Ça va être très dégueulasse. Et alors... J'ai honte de ce que j'ai fait. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? J'adore. Oh, Ok. attends, mais Pas mal. à tes À souhaits. tes souhaits. À tes souhaits. On peut vraiment dire que ça part en cacahuète cette histoire. Y a clairement de l'idée dans les dessins. Hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression de faire de recevoir de l'abstrait. C'est très Du contemporain. minimalisme abstrait. De l'abstrait carrément. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est que le début.
C'est du Picasso, ouais. Quoi. C'est ça le pire. D'accord. Oh, mais non, mais pas encore. Ah ouais, mais. C'est intéressant comme concept. Alors attends, tu vas voir. Je vois qu'il y a un running gag dans les dessins. Ouais. Clairement. Je croyais qu'on avait plus le droit à ça. C'est private joke, non, qu'on n'a plus trop le droit. Tac, on va faire ça. Faire des trucs comme ça là. Tac. On va lui mettre ça. C'est pas simple. C'est l'histoire du mec qui veut faire un contour noir et qui oublie de remplir entièrement son contour et ensuite qui remplit. Oui, je la connais. Je la connais. C'est le terme. T'en fous, t'as le contrôle Z. C'est le terme communément utilisé en effet. Chez. Je crois qu'il y a un problème de bestiaire là sur mon dessin. De bestiaire? Je doute que ça reste l'animal qu'il faille que ça reste. Oh zut. Un petit crayon. Ouf. Oh non, mais qu'est-ce décidément. Que... Alors, autant je vois ce que c'est, mais autant que c'est quoi l'action qu'il y a là-dedans. Des fois, le rébus. Hein. Compliqué. Hein. Le rébus est un peu bourré. Quoi. Ça arrive. Non mais je crois qu'en fait Jack il a eu mon dessin, je pense que c'est pour ça. Je suis pas sûr, c'est pas ton style. J'ai pas besoin de le mien alors, vraiment désolé. Non mais c'est pas mal. Le retour, enfin. Ah, de suite, ah, c'est la première chose que je fais. Hop là, tac. Oh là là, c'est tellement dur. Je sais même pas à quoi il ressemble. Google est mon ami. Ok. Moi aussi, mais la dernière fois que j'ai dessiné ce truc-là, ça avait pas fonctionné. Plutôt comme ça. Voilà. Alors là, du coup, on va faire un truc comme ça. Merde. Pardon. Ça devient du fond du cœur. Je le fais en kit. On n'a pas le droit de malédication comme des flèches ou un truc comme ça, non? Tu peux, si c'est un rébut, tu peux. Ah, donc tu veux montrer un détail précis de ton dessin? Oui. Vous êtes quand même vachement laissé passer le mot. Hein. Ouais, il y a un running gag, on est... enfin, il y a une thématique. Hein. Ouais. J'ai eu les trois à suivre.
mince. Déjà. Ouais, déjà. Ok. Ah oui, je comprends l'histoire de la thématique en fait. Ah oui, d'accord. Oh, okay. C'était quoi ça? Ah ok, y a rien de grave. Mais c'est pas le même que d'habitude, du coup on est déçu. Ok. C'est parce que je suis malade. Bon, on aurait dit un perroquet hurlant de terreur, tu vois. Oh non, t'exagères. Ah. D'accord. Oh, allez. C'est ah ouais. Ah non mais sérieux. Oh non d'un chien. Mais pourquoi? Moi je lance une nouvelle mode. Ah mais ouais mais pas d'effort. Alors par contre ça je sais pas le dessiner. Un truc un peu comme ça là. Comme ça. Bon, zut. Un peu de cette couleur là vite fait hein. Tac ça ouais ça des machins comme ça là oula tac et après ça a des machins comme ça. Oh. Non 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 non. Bah je crois que il y a vraiment, c'est fou les thématiques. Hein. Je sens que. Je dessine vraiment comme un gamin de maternelle, quoi. Je suis pas loin de ce niveau aussi pour c'est le coup. Normal. Là. Ah, c'est fini. Ah, ouais, c'est... Au bout. C'est fini. Ouais, on est sur un nombre pair, donc ça termine sur un dessin. C'est effectivement. Vrai. Heureusement que vous n'avez pas deviné, cela dit. Hein. Alors, je vous proposais... Un bal masqué en temps de Covid. Oh, punaise. Un bal masqué en temps de Covid. Ouais. Oh, bien. Ça fait des tortues ninja, après. Les tortues ninja respectant les gestes barrières en musique. Ah ouais. Ils n'étaient pas verts, c'était pas des tortues. Les tortues ninja dansent en respectant les distanciations. C'est moi qui a fail. Ah, dommage. Dans les distances, l'erreur du joueur français. Tortue ninja qui danse. Voilà. Du coup. Du coup, elle est tellement distancée qu'on n'aime pas l'autre. Oh, elle est bien. Ah, ouais, c'est ouais, pas chouette. Mal. Une tortue ninja. On dirait une tortue ninja de Mature Friends. En discothèque. Ah, bleu, parce que. Ok. Parce que moi, ah, c'est la bleue. Bleu, ouais. En bleu. C'est pour ça que j'avais mis entre parenthèses au cas où, mais. D'accord. Superman fait ses courses à Super. Oh putain, c'était ton que toi. Ah. Mais voilà, lui il a écrit du coup, ok. On a dû perdre le Super U en chemin. Alors. Superman au Super U. Le Super U s'est perdu. Ouais. Hein ? Faut autoriser ?
Superman pousse son caddie au supermarché. Il y a toujours la notion super dans les deux cas. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai. C'est super, super. C'est quoi ça, ça filet, un super héros qui fait sa course. Ah, ben voilà. Ah, on ah ouais, bien. Ah, le petit panier. Superman oui, fait important. Son marché. Le petit cabas incroyable. Très joli, vous pète. Oui, il a plus des billes, là. C'est le confinement, ça n'a pas trop réussi à Superman, manifestement. Hein. J'avoue que là, il a gonflé. Hein. On apprend que sur la fin, il s'est quand même rhabillé. Ouais, oui. C'est vrai. Oh. Une boîte de mouchoirs danse le hip-hop. C'est donc toi. C'était précis la danse quand même. Hein. Elle est jolie. Oh, est jolie, bien en dos. J'avoue, c'est stylé. Une boîte de mouchoirs qui danse. Ça fait presque Totoro quand même. Hein. On crie comme ça. C'est vrai. Une boîte à mouchoirs danse. Elle est pas mal. Hein. Ouais. Du coup, c'est peut-être moi. Ah non, c'est peut-être pas moi qui se Une boîte de mouchoirs en discothèque. Ouais, bon. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, la différente soirée, il y a un running gag avec le en discothèque qui revient tout le temps. Une boîte de mouchoirs, Lotus en discothèque. D'accord, ok. J'avoue que la discothèque. C'est un paquet de mouchoirs, là. C'est un paquet, ouais. J'étais plus dans la boîte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, Jack n'a pas dessiné sa célèbre boule à facette, boule de pétanque. Attends, tu vas voir. Ah, on a perdu le rose. Non, mais alors là. Oh, il est mignon! Il est trop mignon. Rose en bois. Oh, t'as trouvé l'hippopotame. Bah, il est. Ah, l'hippopotame, il est resté. Mais pas le rose. Un hippopotame en discothèque. Encore. T'es en discothèque. Machin pareil que Rampo. Ah, les tuffers. On dirait l'âne dans Shrek. Un hippopotame trop mignon. En discothèque. C'est avec un hippopotame. Les babines. Oh. Incroyable. Bien joué. Oh. Réalisme. Un hippopotame sur une piste disco. Tu t'es fait sur le damier. Oui, écoute, c'est pas facile. Okay. Il est rose à la fin. On a retrouvé l'hippopotame rose. Enfin, non, c'est la panthère rose en fait. Bah, incroyable cette hippopotame. C'est un peu panthère. Il est trop mignon. Bordeaux. Une fourmi explore une pyramide. Putain, c'était toi. Ah, c'est ça. C'était ça. Ah, elle est bien. Ouais. Le tombeau, ça. On a perdu la fourmi quelque part. Une fourmi explore les pyramides égyptiennes. C'est peut-être à cause de moi. Hein. Oui. Pourquoi il y a un cafard sur le côté de la pyramide, sur la pyramide. Ouais, non mais. C'est à ce moment-là que je vous ai dit que je recevais de la presse. D'accord. Ça explique. C'est un sacré mille pattes. Ah oui. Une grande fissure. Il n'y en a pas mille. Hein. Ah oui. Ah. C'était donc ça. Ah, c'était sur la fissure. Waouh, trop stylé. Oh, simple, efficace. Une fissure sur une pyramide. Maître de la géométrie. Elle est très droit, donc je m'en sers. Elle va finir par tomber, la pyramide. Ah, mais la fissure, ça va s'agrandir de toute manière. La taille de la fissure, c'est que ça creuse. Jean Castex fait du ski. Ça fait du ski. C'était lui. Quand tu veux que je dessine ce. C'est pas simple. Moi, j'ai eu un show où j'ai pensé que c'était blanc. Ah ouais. Bah. Premier ministre. Non, c'est un politique français. Jean Castex au ski qui va vite. Ah, il vite. Je suis surpris qu'il soit allé aussi loin, Jean Castex. J'avoue. Blanquer fait du ski. Non, mais pour Blanquer, il faut dessiner un beluga ou un dauphin, je sais pas. Bah oui, mais je sais pas, les deux, ils sont chauves et ils ont des lunettes. François c'est Hollande vrai. Fait du ski. Allez. On est dans la politique. On est dans les hommes politiques. Hein. Mais c'est le bleu, blanc, rouge. J'ai pas le temps de faire plus. On remarque qu'ils font que descendre, et ils font pas les remonter. J'avoue. C'est fermé. C'est fermé, oui. C'est comme leur un sondage. Un os qui fait des abdos. Ah. Des abdos. Ah, ouais. Je ne l'ai jamais eu celui-là. Un os qui fait des abdos. Ah, si, d'accord, je vois ce que j'ai eu. Fracture c'était d'os. Pas simple. PS, ça me donne des malaises. Ah. Ah oui, d'accord. Ah, oui, une fracture du genou. Du ah, genou. Ah, waouh, waouh, waouh. Stylé. Il est très bas ton genou. Hein. Mal au genou. Ouais. Bobo genou. Ah, du coup, je sais ce que tu as dessiné. Et moi, j'ai beaucoup trop détaillé derrière. Table basse. Un mec s'éclate le genou contre un coin de table basse. J'étais sûr que la table basse allait rester. Alors, il y a un problème avec tes pieds de table basse en dos.
Oui, je sais. Non, moi, c'est le genou, mais On dirait une grosse fourmi quand même. Après, ça peut être un. C'est une table basse d'AU. En fait, j'adore la, le faciès du mec. Une voiture en forme de fraise. Ah. Oh, c'était toi. Ah, c'était une voiture. Ah, je crois que la fraise, elle a dérivé par contre. Hein. La fraise, elle a. Une voiture disparue. Fraise du futur qui pollue. Disons qu'elle a fait un excès de vitesse à un moment donné, je crois. Oui, voilà. Ah, d'accord. C'était donc une voiture. Une fraise au bagne. Oui, d'accord. Ah. Ah. Ah, d'accord. Les boulets de Dalton qui s'avaient aux chevilles, c'est ça en fait. Une fraise en prison. Oui, elle a trop pollué avec la voiture. Le voyage de la fraise. On a gardé la fraise. Hein. C'est vrai. Une fraise triste d'être en prison. Oh, non. Le pauvre fraise. Crocodile nage le dos, crawlé. Oh putain, ça, c'était ah, ouais. C'est le crawl. Un crocodile en bottes vertes, champion de natation. Oh la vache. Ah, pas mal. Ouh. Attention. Encore la médaille. Super crocodile vainqueur. Super crocodile. C'est mais c'est lui, c'est Super Croco. Super crocodile, super champion. Oh. Ah, c'est super. Un crocodile médaillé d'or au Joe. Au Joe. Au Joe. Au Joe. Au Joe. Hey Joe. Donc, make it bad. Vous pensez okay, qu'un crocodile, c'est facile pour l'accoster? Oh là là. Oh, yo, yo, yo. J'ai un rendez-vous. J'avais mis quelque chose pour bien commencer. C'est violent. Ah. Voilà. Oh, ah. Ah. Ah bah c'est, j'ai pas du tout ça. Hein. Ah. Ok. Pourquoi il tire à l'arc ton... c'est pas... Pardon, désolé. C'est quoi ce bizarre là? Une cacahuète joue du violon. Je comprends mieux après c'est parti en noir. Mais... C'est trop marrant. Une cacahuète joue du violon. On garde le violon, c'est déjà ça. Une guitare, là. Ouais, ouais, c'était... Une cacahuète c'était contenant un violon. Contenant ah, contenant. Bah, comme ça, à la même forme, je me suis dit que c'était la housse. Ah, oui. Bon, moi, je cacahuète violon, ça. Mm-hmm. Il y a toujours le violon, hein, faut voir le bon côté. Il y a toujours le violon. Ouais, oui, le violon, écoute. Il y a toujours le violon, en effet. Alors, je vais quitter la partie et revenir. Hein. Vas-y. Casse-toi. Ok. De toute façon, c'est le même lien, hein. Oui. J'ai toujours le même bug qu'il y a deux semaines, c'est que mon pointeur de tablette disparaît. Ah, je vois la souris. C'est ennuyeux. C'est bien ça, de tricher. Mais c'est ça, l'invisible, c'est pas mal. Ceux qui ont des ça, tablettes graphiques, n'hésitez pas, bien sûr. Ah, oh, voilà. À tes souhaits. C'est ça faisait longtemps. Je suis de retour. D'accord, pour nous jouer un mauvais tour. Tout à fait. D'accord. On part sur quelle thématique? T'as quoi sous ta botte? Je sais pas, j'ai des chaussons. Une semelle. Ah. J'ai un serpent dans ma botte. Si personne n'a d'idée, on repart sur un thème libre. Hein. Ouais, non. Bah, le thème libre, c'est encore ce qu'il y a de mieux, je pense. Bah, c'est bon, ce moi, qui... ça laisse libre champ, quoi. C'est-à-dire oui. Que les infos se perdent encore plus vite parce qu'il n'y a pas de thème directeur. Mm. C'est ça vrai. Qui est drôle, justement. C'est ça qui est le plus drôle. Ouais. On peut partir sur un libre. On peut partir libre, sur un libre. C'est chaud. Tout le monde alors, est là, c'est bon. À libre. Attention. Enfin, tu mets ce que tu veux. Normal, quoi. Comme Cuba Libre, quoi. Allez, c'est parti. Toujours garder Google Images sous le coude. Ah ouais, meilleur ami. Hein. Ouais.
Pas de discothèque. D'accord. Pas de discothèque. Même s'il n'y en a pas au départ. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de merde? C'est pas possible, quoi. What the hell? C'est... Non, on a un chien, quoi. C'est tellement con que j'ai envie de rire, tu vois. Alors, on va faire un truc comme ça. Et là, on va tenter quelque chose comme ça. Ah, ça se voit pas, mince. Super cochon, super ah, cochon. Ah mince, d'accord. Il peut monter au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. Que non, c'est un cochon. Un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Et là. Mais non. Mais non, mais je viens de commencer. La merde. Terrible. Ah oh. Oui. C'est Bon, j'ai lu un truc parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était obligé. Non. Oh là là. Non, je suis désolé. Désolé. J'ai un dessin pas terminé. Ouais, désolé. Ouais, navré. Si c'est moi. J'ai pas le temps de finir non plus. Hein. Moi j'ai oublié le détail principal. Idem. Du coup là je peux juste mettre un mot, je peux même pas faire une phrase en fait. C'est complètement con mais... Wow. Mais c'est qui ces jeux de mots? Tout simplement. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors attends, il est comme ça. Du coup, j'ai dans la tête Spider Cochon maintenant. C'est à peu près. Hein. Ah, il y en a un qui a déjà fini. Yeah. T'es hyper concentré. Bah ouais, c'est pas facile. Non.
Non, ça peut être ça. Non, on va pas faire ça. Quelque chose comme ça. J'ai pas fini. Bon, tant pis. Merde. C'est pas beau. What? Quoi? Détail. Alors, tac. Enfin, ouais, mais comment tu comment on peut faire ça en fait? C'est super dur. Convaincu, mais... pas ça. On ne casse pas tout. Il y a une thématique là encore. Je tiens à dire que j'ai dessiné la phrase qu'on va donner. Hein, et que faut pas juger. C'est quoi cette phrase? D'accord. Bon. J'ai l'impression de passer ma vie à dessiner des fringues.
J'ai l'impression de passer ma vie à dessiner des trucs qui n'ont aucun sens. Ah oui, non, mais ça, faut pas venir si tu veux pas faire de ça. Non, mais non, faut mieux pas venir. J'ai envie de dire, on a signé pour ça. Ouais. On a signé. Oh, ça peut s'arranger. Hein. Parce qu'en plus d'un truc un peu chiant à faire, j'ai des contraintes en plus à respecter. Donc, oh mon dieu. Bon bah regarde pas mon écran. Oh là 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 là. M'en voulez pas. Trop tard en tenue déjà. Pourquoi je me mets toujours à faire le truc principal au moment où ça sonne. Mais moi c'est pareil. Ouais, j'ai pas commencé moi. Par là. Ah bah bravo. L'important c'est de toujours faire l'arrière-plan comme ça tu peux le recouvrir avec le premier plan. Ouais, j'ai commencé par l'arrière-plan cette fois-ci. Non, 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 laisse-moi faire ma flèche. Non. J'ai pas fini. Mais je l'ai déjà eu ce truc. Quel est le fuck? Identifier cette chose. C'est compliqué là, hein. Les choses franchement. Je comprends pas d'où. Alors, moi il y a forcément des infos qui se sont perdues. Alors moi j'ai la situation, mais j'ai pas d'objet précis. Bah moi j'ai le personnage, mais je n'ai pas de situation. Ah. Je crois que t'as mis en dos du c'est coup. Normal. Ça arrive souvent. Je suppose qu'il y a une flèche qui a été dessinée, mais elle n'est pas finie. Oui. Oui, je crois que c'est bien, en fait. Mais... What? What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? C'était pas assez long pour que j'écrive. C'est relou. Moi, j'étais en train de corriger ma phrase, du coup, ça doit avoir aucun sens pour quelqu'un. Non, ça va, ça a du sens. Mais enfin, grammaticalement, ça a du sens. Pour le reste, non. Ouais, donc c'est pas toi qui après moi. Je préfère l'international. Je la connais pas. On dessine pour rien pour celui-là. Ouais. Pour la postérité. Pour le plaisir des yeux. Richard. Moi, je me suis mis au défi de ne pas utiliser le crayon. J'ai réussi. Je pense pas que ce soit la phrase de début, ça, mais bon. je spoil, hein, non. Bon, ouais, no spoil, hein. On n'a pas eu notre dessert. Non. Bah, il me reste encore des crêpes si jamais. Ça m'intéresse. Tout de suite, il avait les estomacs là. Aïe aïe aïe. Ah bah, j'avais des œufs à utiliser et en fait, je me suis retrouvé à faire une soixantaine de crêpes ce week-end juste pour moi tout seul. Du coup, il me reste encore. Mais disons que t'avais faim, Jake. J'avais des œufs à utiliser. Hein. C'est vrai. Que 60 crêpes et plus d'un week-end. Pardon? Ce qui m'étonne, c'est qu'une soixantaine de crêpes est plus d'un week-end.
Oh. C'est vrai ça. En théorie, tu fais quoi? Un repas et demi pour une personne normale? Quand même pas, mais. Ah d'accord. Bien sûr. Bon, deux repas, facile. Je dirais un apéro. Au digestif, crêpe. Un âne en bonnet d'âne qui s'appelle Anne. Oh, quel enfer. Ça fait bien oh, y'a l'enfer. Ah, je mais ça était bien. Ah, pas mal. Je vois où ça a dérivé. Ah, et avec un bonnet d'âne. je... Désolé. Ouais. Tu as plus ce que j'ai fait, hein. Bah, ouais. Il manque une oreille. Une gazelle licorne. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah. Putain, une gazelle, je retrouvais plus le nom. Oh, c'est mignon. Oh, elle est mignonne. Mignonne. Il y a la petite girafe à fond. Dans la savane, girafe, il y a Imra, au fond. Je te hais. Je te hais. C'est ah, en fait, c'était pour donner gazelle, parce que c'est ça, ressemble, hein. Ça ressemble à beaucoup trop de trucs, une gazelle. Vous savez ce qu'il avait hérité en tout du coup. Phébus qui a sorti le lèche-rêle. Une poêle à poêle. Ah oui, j'ai mis ça. Ah, mais comment vous avez dessiné ça, vous? Ok. Ah ouais. Ah ouais, pas con. Pas bête, pas bête. Poêle poilu. Alors, ça, c'est pas resté jusqu'à la fin. C'est parti en couille. Hein. C'est faire le dire. Ah. C'est le cas de le dire, vu le dessin de Campo. Pour l'instant, ça tient. C'est vrai. Ah. Ah. C'est perdu. Un poilu, c'est des crêpes avec une poêle. Voilà. Jake. D'accord. Jake fait des crêpes. Voilà. Pour le week-end. Ah, même le un short, hérisson pas lui, fait sauter des crêpes. Un hérisson. Ah. Un hérisson. Oh. Il est incroyable en plus. Simple, efficace. Ouais. Alors, on a un peu dérivé, mais. Oui. Non, on a un chien. Un réveil matin mangeant un avocat. Ah, ah, ah. C'était ça. Un avocat. Oh là là. Alors, un réveil, moi. Alors, l'avocat, il s'est pas. Stressé avec un truc marron dans les mains. Ah. Ah. Il y a eu sur Internet la question du coup. Caca en un fait. Un réveil pleure avec le caca pensé. Dans les mains. Ah, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais vu le dessin, qu'est-ce que tu vois autre chose? En chocolat. Désolé. Une crotte au chocolat. J'espère que ce soit du chocolat, tu vois. Un réveil triste devant un caca. Bizarrement, le caca, il reste jusqu'au bout. Hein. Ah, c'est facile à dessiner. De tranche, hein. Que apparemment, le caca, c'est plus facile à dessiner. Mais c'était un avocat, à la base. Il y avait avocat devant. C'est un avocat caca. La cocheuse du bois avocat. En vacances à la mer. Non mais alors celui-là, il est terrible. Hein, je suis désolé. Impossible à faire, genre. Ah, il manque la cape par terre, c'était parfait. La cocheuse est à la plage. Ah, oui. Ah, pas mal, ouais, c'est resté. Oui, mais elle a pas la cape. Ah, ça c'est la cocheuse en burqa à la plage. Ouais, elle fait un château de sable à la plage. Ouais, j'ai fait presque le même, en moins quali. Ah, oh, trop beau. La faucheuse oui, fait un château de sable bien. À la plage. À la base, c'était sur une plage nudiste. Hein, mais... Putain, pourquoi j'ai dessiné ce château de merde? C'était juste pour détailler la plage. Pourquoi il est resté la après mer, le désert, un château et un mec qui tient qu'elle. Artrand, il faisait un slam, quoi. C'est parti en couille. Le ciel, les oiseaux, la mer, le désert. On a gardé la mer. C'est franchement ouais. Pas grave. On a récupéré le château. T'es clairement sur notre chanson, là, le loup, le renard, la belette, la mer, le désert, la plage. Sur une licorne grecque. Grec ah mais pourquoi attends, grec en plus. Pourquoi grec ouais. Tu me demanderas mon chat. Narval, ça. Pikachu énervé qui chevauche une licorne. C'est un narval, c'est pas une licorne. Merci. Pikachu chevauche une licorne grise avec une corne rose. Wow, vous avez joué, oh, bien. Wow. Pas mal. Pikachu chevauche une licorne. Là, j'ai pas eu le temps. Oui, bah oui. On a l'image. Oh, ça va, ça. Pikachu sans sur une licorne sans oreille, ni yeux. trop mignon. Stylé. La licorne. Ton Pikachu, on dirait presque le marsupilami. Ah. Ouba, ouba. Ou la mort subit la mise. Un plombier qui prend une douche hawaïenne. Oh. Alors, une douche hawaïenne. C'est quoi une douche hawaïenne? Ah.
Voilà, et en fait, j'ai pas eu le temps. L'arrêt des fesses du plombier. Et du coup. Alors, ouais. Alors, moi, je l'ai pas vu passer l'arrêt des fesses du plombier. C'est quoi une. Le sourire du plombier. Ouais, c'est quoi? La douche hawaïenne, c'est quoi? Parce que. Mais c'est les douches que tu prends à l'extérieur, les douches hawaïennes, non? Ah, d'accord. Je sais pas. La moustache Super Mario qui sourit en bambou, là. Super Mario. Quoi? C'est ça. Ah, le sourire du plombier, d'accord. Mario en épouvantail qui fume la pipe. On a gardé le concept de. Oh les petits détails. On a le plombier, on a le plombier. Bébé Zorro. Bébé Zorro. Bébé s'est perdu tout de suite. J'ai pas eu le temps de faire la tétine en fait. Zorro. Voilà, simple, efficace. Zorro. J'ai pas eu le temps de finir le sabre. On a tous sorti notre plus beau Zorro là, sur celle-là. À quand Harry Potter? Joker alors. On est pas loin du Harry Potter Zorro là. Zorro brandit son épée. Ouais, c'est vrai. Il manque la cicatrice. Ça passe. Ouais. Oh. Mais t'as bien. Zorro. Incroyable. Triste, ça. On a dit une phrase, pas un seul mot. J'ai oublié la moustache, j'étais déçu. Signe à la pointe de l'épée. Après, de qui veut dire Zoro. Kawaii. 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 Oh. Une coupe de salade de kawaii qui sourit. Une corbeille de fruits heureuse. Quand tu reçois ça, tu te dis mais quoi? C'est la meilleure vie, la corbeille de fruits, là. J'avoue. Un panier à fruits souriant. Ça, c'est un panier et puis une coupe. Un orange. Un panier souris avec une banane, on sent la couille sous le du raisin et une pomme. Elle sourit plus. Il sourit plus, là. Ouais, plus un. En même temps, il a pris cher tout au long, là, il a plus envie de sourire. Non, il a plus un. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Oula. C'était toi. Ah. Oh, j'ai tellement pas compris. Ah, la langue, j'ai une pas aussi l'art dessiné. Des pantalons sans cœur. Sans cœur. Une méchante et l'autre qui est triste. Une poche de pantalon bleu célibataire. C'était donc ça. La poche arrière gauche d'un jean est triste. C'est pas l'avant droite d'abord, hein? Une poche arrière de Jean est triste. De Jean. De Jean. C'est Jean. Non, on a dit la gauche. Non, l'info s'est perdue. Je suis passé à droite. Elle s'est perdue, c'est vrai. C'est ma faute. J'ai tout un clown joue au tennis. Ah, c'était juste un clown. Pas l'enfer. Je crois que le reste c'est le clown. Une partie, je un pense. Clown joue au tennis. Pas que. Ouais, c'est ma faute, le clown. Oula. Oula. Il fait des crêpes. C'est Jack qui fait des crêpes faisant du tennis. Ouais. Ça t'a fait penser à Coluche, quoi. Ouais, ça m'a fait penser à Coluche direct. C'est Coluche, en fait. Quelqu'un qui fait du tennis. Du tennis. L'accent, c'est quoi? C'est des espèces d'intonation québécoise par moment. Ouais. Un service au tennis. Voilà. Je salue le temps passé pour faire le quadrillage du filet et des raquettes. Ouais. C'est là que je connais la Marseillaise. C'est très artistique ce soir en tout cas. Très très. Chapeau. Inspiré. Hein. Note voilà. À moi-même, commencer par le principal. Oui. Oui, c'est vrai ça. C'est surtout quand t'as le temps qui passe là. Vous voulez faire un thème en particulier du coup? Oui, j'ai une petite idée pendant qu'on faisait. Vas-y. Si ça vous dit, on essaie de faire deviner un titre d'une chanson. Ça a déjà été fait il y a c'est trois... notre thème préféré. Ah, il y a trois semaines, on en a fait plusieurs d'affilée. Et à chaque fois, drôle. Ça a été une culture horrible. Ah, c'est très drôle. Je vous laisse quelques secondes de réflexion en mode question pour un champion. Vas-y.
sans le roulement de tambour, histoire de trouver... non, j'ai pas prévu de pub cette semaine. J'ai été un peu occupé ces derniers jours. Et comme ça, juste le temps de trouver le titre d'une chanson chacun de votre côté. Pour ceux qui rejoignent les différents streams, c'est plein de streams en même temps, donc n'hésitez pas à vous abonner chez ceux qui streament actuellement, donc chez Imra, chez Sifren, chez Phoebus, chez Mr. Green, chez Yvason bien sûr. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Je vérifie. Normalement non. Voilà, donc c'était le petit point. Abonnez-vous. Chez Squeezie, ouais, mais uniquement si on a le même âge que lui, sinon ça compte pas. C'est bon, je peux. C'est bon, tout le monde a sa chanson? Ah, faut une chanson, attends. Non, pas du tout. Précisez, chanson française, s'il vous plaît. Oui, ouais, c'est oui, française. Française. Française ou francophone? D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Ah, mais c'est qu'Internet est nul, en fait. Ah oui, t'es sur la box. Ah bah oui. Alors, faut que je fasse avec mes neurones alors. C'est toujours bien d'avoir quelques neurones. Non mais là ils se sont perdus aujourd'hui. C'est bon pour moi. Ouais, on va prendre ça. Hein. Ouais, j'ai pas d'idée. Je suis désolé par avance pour celui qui aura dessiné la chanson en premier parce que je sais que ça va sûrement se perdre derrière. Ah. Alors, Google Images. Voilà, je suis prêt à faire la recherche. Va sur YouTube plutôt. Okay. Ou Google Parole. Mais Images, ça va pas t'aider. Google Parole, ça existe hein? Non, mais tu tapes Parole après le titre. Dans votre phrase de début. Bon, même si on doit retrouver la chanson, mettez bien la chanson et l'interprète. On sait jamais si ça peut donner des indices. Yeah. Ah, d'accord. Pour moi, je l'ai. C'est bon. Moi, j'ai aussi. Oh ouais, tiens. Qui c'est qui n'est pas encore prêt-prête? Moi, c'est bon. Moi, je suis pas prêtre encore. D'accord. Pas prêtre. Tu n'es pas prêtre? Moi, je suis paladin. Paladin pour... Vas-y. Très bien joué, très bien joué. Allez, attention. 3, 2, 1. Et de nouveau, 3, 2, 1. Ah si, ça rentre. Putain. Oh, je sais. Oh, mais. Oh. Mais c'est super dur. Mais à la fin, c'est hilarant, donc ça va. Ne me jugez pas le chat, s'il vous plaît. Vous on a le droit aux onomatopées, hein, c'est ça. Onomatopées, oui. Je crois que c'est ça, mais est-ce que... Attends, est-ce que je peux pas donner un indice de plus? Le truc, c'est que je me souviens plus comment il est.
Je sais pas si ça peut aider. Mais bon. Il est flippant. Ouais, pareil, il est méga flippant, le peut-être qu'avec des oreilles. Pas merci à celui qui a fait, qui a donné la chanson. Hein. Désolé, c'est vraiment pas facile. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, facile. Facile. Oh, ok. Une belle référence de boomer. C'est donc Jack. Ah bah tu vois à peu près comment j'ai signé donc. Oh, celle-là moi je l'esquive. Hein. Ah, je me marre. J'aime beaucoup le je sais pas si la faute dans le nom de l'interprète est volontaire ou pas, mais ça fait un joli jeu de mots en tout cas. J'ai une mémoire auditive et le problème c'est que ça ramène des mauvais souvenirs ce genre de musique. Je crois que t'as eu la première que j'ai dû dessiner là. Ah. Avec un rythme un peu soutenu mais quelque chose qui se répète pas mal. Ouais. Ouais. Ouais, je suis contente, c'est qu'elle est restée. Pardon. Parce que je peux pas faire ça autrement. Il est flippant mon dessin, je suis désolé. La gomme elle est là. Alors... J'ai un peu de temps. Allez, je suis tenté de faire ça autrement. Tac. Ne faites pas ça chez vous. Je m'excuse hein, si jamais il y a des enfants chez vous. Enfin, ne regardez pas mon dessin. Ah, alors ça doit pas être le même dessin en fait. À la base c'était Twitch friendly. Ah mais c'est complètement Twitch friendly hein. C'est juste que il a perdu son âme quoi. Excusez auprès de toute la communauté pour le dessin que je vais avoir fourni. Peut-être mettre une porte. Voilà. J'arrive pas à ouvrir la sucette. Mmh. J'espère que ce sera clair. Non, je sais déjà comment ça peut dériver. Oh, c'est tellement horrible, je suis mort de rire. Mais c'est laquelle du coup? C'est pas une chanson. Ah bah ça après. Mais c'est pas une chanson ça. Oh, attends. Je sais pas quoi mettre. Je me demande ce que va faire la voix si on met ça. Ah t'es soumis. Ah oh, mais j'ai dit ça. Non c'est pas grave. Non c'est le hockey. C'est une contraction du diaphragme. Oh là. Mais arrêtez. C'est... Bon bah.
Comment tu... Oh, mais c'est super dur. Et... J'arrive pas à comprendre comment j'arrive à faire pour que tous mes dessins ressemblent à des démons. Des démons. T'oublies les yeux et les oreilles. Non, je mets les yeux et les oreilles là cette fois. Non mais là c'est vraiment un démon. C'est... Bah après il y a les démons de minuit. Hein. Ouais mais c'est pas ça. Oula. Bah il est 22h. Ouais c'est tôt pour des démons de minuit en plus. Ouais, encore 2 heures et on pourra en parler. C'est vrai. Oh, je suis content qu'il y ait quelqu'un derrière parce que je suis fier de mon dessin. J'ai pas du tout le titre de cette chanson, j'ai juste essayé de dessiner mien, ce que j'ai vu, mais... Alors attends, ça peut être quoi cette chanson ? Oh, j'ai presque... J'ai Oups pas oh. J'ai eu un souci de remplissage. J'ai pas... Je crois c'est pas grave, mais quand même... Combien ? Les X sont très importants. Et tu remarqueras que malgré tout, il est quand même heureux. Oui, toujours. Il parle tout seul ? Ah merde. Je suis désolé, je décris ce que je vois. Oh, impossible. Je ne connais pas du tout ce que je viens de mettre, de me faire confier. Je suis désolé pour ceux qui auront la référence. J'ai un problème de ton sur ton, moi. Ah, c'est pas sur pêche, ça. T'as de la concurrence, mon cœur. Pas mettre un plus gros pinceau Merde. Parce que là... Pardon. Tac. Non. Ah, c'est Mulan que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Bon choix. Comme un homme... Plus vaillant que le cœur du torrent. Juste la fin, moi. Lorient. T'es fan de foot? Je tiens à m'excuser par avance pour. Ah ben. Bah. Alors, cette chanson-là, on l'a eue.
Là, il y a 15 jours, je pense. Et c'est magnifiquement fait. Sais pas qui c'est qui a fait ça, j'arrive pas à reconnaître le style, mais c'est vraiment très très bien fait. Vraiment. C'est pas moi alors. Ça doit pas être moi parce que je me souviens pas non, de cette taille. Et ah, Emma qui a pas réussi à griller le titre jusqu'au bout. D'accord. Tout le nombre de musiques que en fait c'est pas des musiques que j'ai. C'est d'un cadavre à la fin si jamais. D'accord. Mais c'est purement descriptif. Hein. C'est toujours utile, on va dire. Alors celle-là, effectivement, on l'a eue il y a 15 jours. La phrase est plutôt bien écrite. Mais c'est le dernier, on s'en fout. Oh non, trop deg. Déjà? Ah oui. Ça donne pas envie de s'appliquer. Et si ce que je vois, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ce que tu vois. Enfin, ce que j'ai comme comme description. Je pense que mes personnages devraient prendre un rendez-vous chez l'orthodontiste. C'est une psychologue. Ou si, ouais, les deux. Alors, wow, c'est difficile les chansons. Il est venu le temps des cathédrales, Notre-Dame de Paris. Ah oui, d'accord. Pareil, même Quasimodo, il a pu faire. Quasimodo, ah, bah, Notre-Dame de Paris. Un petit peu. Et des châteaux de sable. Le bossu de Notre-Dame. Ouais. Le bossu. Ah, Frollo. Le bossu de Notre-Dame est moins. Moins faible. Moins. Moins. Tu es moi. Un gars comme toi. Le bossu de Notre-Dame. Merci, j'ai pris gentil. Une des chansons que je connaissais. Oh putain, la gargouille. La gargouille. Incroyable. Ah, non, mais cette image, elle est cursed. Ah, ouais. Tu es mon voir. Big bisou, Carlos. Ah. Ouh, je l'ai pas vu celle-là. Ah, pas vu non plus, ouais. Ah, j'ai compris. Ça. Oh, ouais, ok, bah je l'ai pourri du coup. C'est moi là. Un smack sur un barbu quasi chaud. Oh punaise. Ah mince. Ah, c'est dégueulasse le personnage en haut. Une femme boit le sang des une homme barbu. Elle est bizarre cette vidéo quand même. Ah, d'accord, je sais. C'est, moi qui c'est parti bien en couille celui-là. Boire le sang de quelqu'un. C'est le nouveau titre. Oh. Pourquoi t'as fait Voldemort des apostrophes. Oui. En quand même, c'est un titre de chanson, normalement. J'aime ta récurrence en dos, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un qui est mort, il a juste les yeux en mode croix. Yes. C'est vrai. Non, mais comme un autre, c'est... Drax, pourquoi t'as dessiné Jean Castex? Je sais pas. C'est Jeff Bezos. Oh, il, a peut...
Ah ouais, ça fait plus. Jeff Bezos. Les portes du pénitencier. Johnny Hallyday. C'est pas mal, ça. C'est perdu. Il était bien. Ouais, il est bien. Non, ça a été perdu comment ? Fermez les portes du bagne. Comme ça. Ok. Château de sable. Oh, ah, d'accord. D'accord. Okay. Ah, c'est parti sur Hamilton, putain, j'en étais sûr. Ouais. J'y ai pensé que, genre, 4 secondes avant la fin. Cheval, ça ah, bah. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Ah, bien joué. Ok, bien joué. C'est minimaliste. Ah, oui. C'est un alors là, c'est poteaux les Dalton, avec des voilà amis. Tagada. Je connais pas. Là, c'était les Dalton. Ben, du coup, voilà. J'ai pas compris. Mais je suis une génie à comprise. Ma philosophie, ML Ben. Putain, en dos. Oh la vache. Désolé. On n'a pas eu celle-là. Ah, reviens, c'est comme ça que je voulais que tu le fasses. Ah, mais d'accord. Viser la lune, point levé. Viser la lune, ah, ouais. ML Bento. ML Bento. Ah oui. Okay, d'accord. Tirer sur la lune. Des tirs de musique. Le nouvel album d'Amel Ben, tirer sur la lune. Bon. Ma philosophie, mais what? Oh, le retour. Ah, c'est quoi? Ah, c'est le poids levé. Par la main. Ah oui, d'accord. C'est censé être Amel Bent là, quel point levé? Le poids levé. Mais monsieur Vert, comment t'as retrouvé ma philosophie? Ah, c'est pas compliqué, viser la lune. Je savais que c'était pas le titre. Ah ouais. Franchement, j'ai... C'est la Watt de Caroline Loeb. Putain, c'était toi la référence de Boomer. Oui, je suis une boomeuse. Oh là, Caroline Loeb, que je peux la Watt. Comment t'as trouvé? Bah parce que c'est... Ah, c'était ça, d'accord. J'aurais peut-être dû mettre le logo de la MAF aussi. Coton-tige. Il y a assez de flèches, la chanson du coton-tige. Du coup, moi j'ai cherché, il y a vraiment une chanson du coton ouaté. C'est vrai? Coton-tige, bonhomme t-shirt la chanson rouge, du coton, pantalon bleu. Du coton ouaté. Rien du tout. C'est pas des fois québécois la voix. Hein. C'est tout le temps québécois. Coton-tige. Ouais, avec un accent plus ou moins flagrant en fait. Quel enfer. Le lion est mort ce soir. Il est assez loin, lui, normalement. Ah, je crois, oui. Il est jusqu'au bout. Oh. Et bien sûr. Le lion est mort ce soir. Putain, Mufasa, quoi. Non. Oh, ils sont trop choupignons, vos lions. Le lion est mort ce soir. Pouah, wow. Allez, j'ai fait une noire derrière. Le lion est mort ce soir. Ton lion, il a l'air shooté. Il est content d'être mort. Le lion est mort ce soir. C'est un cheval avec une perruque. Ouais, bon. Il avait survécu. Comment t'as fait faire du transparent, toi? Ouais, j'avoue, la crise. Il y a une option. Ouais. Ah. Ah oui, le truc que personne n'utilise, en fait. Ça. Mon fils, ma bataille. Oula. Daniel Oula. Balavoine. Mm-hmm. Là, j'ai tenté un truc, mais voilà. Oh, joli. J'ai tenté joli. La jaquette. Ouais, joli. Du coup, celle-là, je ne l'ai pas eue, donc j'ai préféré ne rien mettre. Et quand tu ne mets rien, ça remet la proposition d'avant. Oui. D'accord. Pourquoi il y a une canne à pêche? La pêche au moule. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est un bateau dans le fond, d'accord. C'est un tribunal. Avec le juge. La pêche au moule. Bah ouais, mais non, du coup. Ah, oh, je suis déçu que ça ait dérivé si vite. Ah, Phébus, sa canne à pêche est juste magique. Mais... Elle est magique. À la pêche au moule. La pêche au moule. Le petit pêcheur jaune, là. Voilà. Pêcheur breton. Ulysse Ridan. C'est oh, putain. Ouh. Ah. Je l'ai pas. Il est pas allé très loin parce que je l'ai pas fait. Oui, je l'ai fait. Saboté. L'océan, la petite. Ah oui, bah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Je l'ai saboté. Sans doute. Les polos chauds, ils sont cursed. Le mien, il est pareil. Sous l'océan, la petite sirène, nos sponsors lessives.
On est d'accord qu'il est, il est complètement cursed, hein, Sébastien. La petite sirène. C'est Sébastien qui veut manger ton âme alors que celui-là, ça va. Il est pas si cursed que ça, ton polochon. L'océan, la petite sirène. Putain, le crabe, il est réaliste. Ouais. C'est pas un crabe, c'est un crabe, je crois. Ou les rois du monde, Roméo et Juliette. Je crois qu'il est arrivé loin, lui. Ah, il est super. Ah non, c'est... Oui, bah, oui. Je l'ai fait à la fin et je suis désolé, c'est pas ça. Les rois du monde, Roméo et Juliette. Oh, il y a les rois du monde qui s'est perdu à un moment. Enfin, c'est moi qui l'ai fait perdre, je crois. C'est moi qui l'ai perdu, en fait. Ah, Roméo et Roméo Juliette. Roméo et Juliette. Alors, on est parti sur autre chose. Non, c'est mignon. Oh. Wololo. Roméo et Juliette, les rois du monde. Oh, quel talent. Quel talent. Ouais, stylé. Et du coup, le problème, c'est que t'en as fait trois comme dans la chanson et c'est devenu les rois mages. Ah oh, mince. Oui. Elle est trop bien, cette chanson. C'est sympa, le dernier dessin. Minimal, juste ce qu'il faut. René Lato. Oh non. Ah, c'était voilà. Ça. Il attention, c'est lui qui est transformé en père castor en fait. Ouais, il est beau, de René. Mais vous allez voir le mien. D'accord. Je crois que c'est là. Oh, oh mon dieu. Bah il est bien. Père castor, raconte-nous une histoire. Ouais, d'accord. Mais va d'abord chez l'orthodontiste s'il te plaît. Oh. Ah ouais, non mais... Okay. Père castor, raconte-nous une histoire. Une histoire. Couleur à déborde un peu. Oh, oh. Dedans. On dirait le vrai, quoi. Père Castor, raconte-nous une histoire et ailleurs. Allez ailleurs. Ils sont douloureux, ces castors-là, par contre. J'avoue, ils ont des problèmes dedans aussi. Vous voulez refaire un coup de chanson? Alors, le thème chanson, vraiment, il est vraiment cursed jusqu'au bout, celui-là. Ouais. Ah, j'aime bien, c'est marrant. Oh, putain. On peut faire la même avec des titres de films ou des jeux hein, aussi. Ouais, mais les titres de films ou de jeux, ça se perd moins parce qu'en fait, tu vas faire des scènes du film ou des trucs comme ça. Et on va reconnaître quoi. Ça dépend parce que ça peut très vite dériver, mais ça, les chansons, en fait, c'est tellement vague et précis en même temps. C'est vrai. Que ça part très loin. Vrai, tu vois, les ça films, part à partir du moment où ils passent par moi, ils sont perdus. Moi, je vais vous laisser. D'accord. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée, Mister. Bonne soirée à vous. Merci bien. Avec plaisir. Bonne soirée aussi. Yeah. Ciao. Ciao. Je vous laisse réfléchir pour une autre chanson, du coup. On repart en chanson. Ouais. Alors, allez sur Bid et Musique. Oh non. Le site de non-référence. Non, parce que dessiner du Goldman c'est bien sympa, mais il faut des trucs un peu cringe ou un peu vieillot, c'est pas mal aussi quoi. Voyons voir. Pour info, française moi. Ça me fait Alors, dans ce qui a déjà été fait dans les sessions précédentes, il y a eu Beau le lavabo, les chaussettes jaunes et rouges à petits pois de Dorothée. Ouais. Oh là là, deux fois. Obscur. Chanson paillard. Ilona Mitrosset, Un monde parfait, a déjà été fait aussi. Ah bon. Je pense que j'ai celle que je vais vous proposer là. Ouais. Tu nous ramènes le manger. Cool. Ah, mais non, mais il y a des gens qui sont plus jeunes, ils vont pas connaître. Et oh, ça veut dire quoi ça? Ah, alors attends, attention, attends. Parce que des trucs des 10 dernières années, je suis un peu mauvais, beaucoup même. Non, mais bon, j'ai peur que Ocampo ne connaisse pas Bébé Charlie avec qui a du caca qui collé au cul. Oh merde. Est-ce que c'est pas plus mal pour lui? Oui, j'avoue. Pour elle. On n'échappe pas à ça, c'est pas plus. Il y a des choses qu'il vaut mieux garder enterrées. Mm-hmm. Qu'en fait partie. T'inquiète pas, j'ai eu des grands frères qui me l'ont chanté pendant longtemps. Ah.
Mince, j'aurais dû mettre ça du coup. Et ça aurait fait des dessins très gênants. Bah, tu te rappelles du réveil avec le... Oui, voilà. Bon alors, une chanson. Moi c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt aussi. Ok. Je ne suis pas prêt, okay, je n'ai pas d'idée. Vous connaissez forcément sur chansons françaises qui ont moins de 10 ans ? Non, pas non, forcément. Non. Chansons françaises. On connaît tout seul en fait. Chanson française. Tu mets des grands classiques sinon. Mais des trucs impossibles à dessiner, genre Désenchanté de Mylène Farmer. Mais c'est celle que je voulais mettre, bordel. Elle a déjà été proposée. Ah mince. Alors attends, du coup, je vais partir sur autre chose. Ah, c'est bon, je sais ce que je vais mettre. Tout est chaos. Comme... Ah, je retrouve pas le titre. Ah, mais du coup, j'ai plus trop d'idées là. Je suis. C'est bon pour moi. Attends. Je cherche. Oh, quel suspense. Génération. Ce qui me rassure, c'est qu'en chantant toujours aussi fou, on sera jamais strike. Ok. C'est sûr. C'est quoi le titre du coup? C'est bon. Le titre, c'était chanson. Après. Ok pour moi. Pourquoi Google me dit que c'est une chanson paillarde? Ça veut dire quoi paillarde d'ailleurs? Grivoise. Non, pas forcément. D'un érotisme actif. C'est joliment dit. Une chanson avec du cul. Du cul quoi. Adi Ballo par exemple, c'est paillard. Bernard par exemple, c'est paillard. Qui? C'est comme Dominique, quoi. T'as pas entendu, Marion. C'est pas moi. Farmer, par exemple, c'est paillard. Appuie sur ton push-to-talk avant de parler. Appuie avant de parler, mais en fait, c'est Discord qui est lent du cul. Ça, c'est paillard. Je crois que t'as le même problème, d'ailleurs, des fois. Oui. C'est paillard, ça, par exemple. Oui, là du cul. Allez, tout le monde est bon. Ouais, moi, j'ai un titre, c'est bon. Je suis prêt. Allez, go. Je suis prêt. Ah, par contre, j'ai quitté. Ah, this way. Ah non, ok. Tu vois bien se passer. Pas de panique. Oh, y'a pas de. Oh bordel. Oh. Mais c'est... Ah, si je chipote, je suis désolé, c'est pas français. Oh putain. Ah, d'accord. Si Fren, je sais que c'est toi. Moi je pense que c'est toi, mais je suis pas sûr. Un maref. Bon bah Google m'aidera pas. Ça me fait bizarre de voir sur les clips des gens sans masque. Regarde pas les films des années 60. C'était quand ça? Ouais, j'avoue, c'est vieux, hein. Funaise. On a dit pas trop vieux. À chaque fois, je dépasse comme ça. Faire un truc comme ça vite fait, là. Bon, c'est pas grave. Faire avec. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a quelque chose comme ça.
Non, non. Merde. What? What? C'est. Je l'ai pas du tout. Ok. D'accord. Alors attendez. Ah, c'est chaud. C'est dur. C'est très bien dessiné. Super bien dessiné. Mais... Bien dessiné, mais je sais pas c'est quoi. Je connais pas le titre là. Je pense avoir reconnu, et c'était une... c'est un truc auquel j'ai pensé, comme chanson à donner. Ok. Bon. Les grands esprits se rencontrent. Je sais pas si c'est des grands esprits vu la chanson. J'ai pas fini d'écrire. C'est pas, dommage qu'il y ait un mot. D'accord. Ça devient compliqué quand ça dérive. Oui. Merci. Pou, 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 pou. Ah bah non.
Tu connais pas les titres de chansons de cette personne. Bon bah voilà, bon appétit. Bon appétit. C'est simple, comme je peux faire des dessins très mignons et des dessins très... Je viens de dire la même chose. Le niveau est très inégal entre les propositions. Moi, je suis passé au simpliste. Encore, ouais. Trop dur à dessiner. Hein. Mais bon, là j'ai à manger donc j'ai une excuse. Ça va être froid sinon. Dommage quand même. Pourquoi c'est à goût de galette? J'arrive vraiment pas à trouver de titre. De... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, je sais. Je l'ai pas. Waouh. Ok. Ça va être cool ça. Mince. Il y a tellement. J'en ai marre de dessiner des trucs aquatiques. J'en ai dessiné qu'un seul truc aquatique. Oh là là. Bon, vite, hein. Il ressemble à quoi, lui? Il y en a qui écrivent des romans. Okay. Je peux pas plus simpliste. Hein. Oui, oui, oui. Le prochain thème sur Nage, je veux plus de chansons, pitié. Je sabote tellement tout, je... Oh là là. Un Africain... Quoi? Non. Quoi? C'est sérieux là? Regarde, j'ai pas le titre de la chanson, j'ai que la chanteuse. Non,
J'ai pas la... Là, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout non plus. J'ai peur qu'il y ait aucune chanson qui soit allée au bout. Je pense que... Ça va être compliqué là. Hein, à aucun moment j'ai mis un titre de chanson donc. Il y en a une, je pense, mais. Normalement, il y en a une qui est restée jusqu'à la fin. C'est plus une qui était tombée au début. Est-ce que c'était la bonne, par contre? J'espère. Ça va être un La fièvre, Julien Doré. D'accord. Ah, jamais. Désolé. Ouais, donc celle-là, je sais que j'ai de choc dessus. Moi, j'ai des. Ah bah putain, ça a pas pris ma phrase en plus. J'avais décrié littéralement ce qui se passait. Ah. La fièvre. Oui. Non mais je le titre. Voilà, je choque immédiatement ici. Je pense que c'est une des rares où je dois avoir bon. Je suis malade, Serge Lahr. Ah bah oui. Ah oui, il est très, très malade. Ah oui. Jean vomit dessus. Une bouteille en verre, c'est ça. Mais quand même. Jean vomit. C'est gravé dans la roche, sniper. Ah, waouh. Wow. J'ai fait drôle. Dire. Sniper. Très joli sniper, tout en passant. La fièvre. Fatale. Ah. Bazooka, oh là, donc... j'ai pas. Hein. Ah, oh, d'accord. Pourquoi Donald Trump a devenu Elvis Presley africain aux cheveux rouges et brise de quoi? Ah ouais, what the fuck. Regarde ma réponse. WTF. Parfait. Qu'est-ce que je fasse de ça? La 4 clairement... litres de Jackie. Ah putain, c'était toi, Plax. Ouais. C'était toi, Plax. Ouais. Le petit logo Renault. T'as 4 litres. T'as 4 litres. Ah, j'avais pas capté que c'était une 4L, mais oui, il y avait un truc. Quelques voitures bleues. Mais j'ai mis quelqu'un voiture. Enfin bref, j'ai pas eu le temps. On avait pas d'idée. Trois voitures bleues. Forcément. La fameuse chanson. J'ai cherché, hein, pas de voiture, il n'y a pas de chanson avec une voiture bleue. Trois voitures bleues. Voilà. Il y a un créneau à prendre. Oh. Avec une voiture. Prochaine parodie. Stack, stack, Bratislava Boy. Oh, putain. Oh là là. Alors, c'est dur à dessiner ça. Oh, il est bien. Ah, il est bien. Ah ouais. Ah, oh, le M6, putain, j'ai aimé. Oh non. Ah. Ah. Alors, non, effectivement. C'est beaucoup trop costaud. Trois marins en voilier. Petit bateau. Ah, c'est parti sur une autre chanson, mais pas la bonne. Ouais. Oh, voilà. Ouais, en plus, juste piano, après, ouais. J'ai quelqu'un qui m'a mis Hugo Frey. 1, 2, 3. C'est un fameux. Sans piano, Hugo Frey. Ah, c'était pour accentuer le fait que c'était un 3 mois. C'est juste pour pas dire que c'était un bateau. Il est déjà tombé. Ah, il était déjà tombé. Mais ça, j'étais pas là. Tu pouvais pas savoir. Ah, terre brûlée. Les lacs du Connemara. Ouais. Terre brûlée au vent, des... ouais. Voilà. Pas mal, hein. Les lacs du Connemara. Alors peut-être... En vrai, j'ai cherché pourquoi il y avait trois feux de camp et pas un seul. Ah. C'est les lacs du Connemara. Putain, bien joué. Et il va y aller, tu vois. C'est pas un accord. Incroyable. Alors peut-être... Non, regarde la réponse. Notre dame. Mais. Ah, merde. Il y a l'église en granit. Comme ça, Zinedine. Pas comme ça. La dernière seconde. J'ai fait exprès de rajouter l'église en granit de Limerick. Ah, l'échec. Fais pas ci, fais pas ça. Je trouvais qu'elle est... du tronc. Je trouvais qu'elle était mieux faite, les lacs du Connemara. Mais alors, ça, excuse-moi, j'ai pas compris. Hein. Oh là là. Ouais, c'était pirate avec ciel rouge, mer noire. Ah. Et c'est la chute. Ah, c'est pour ça. Ah merde, le ciel rouge est pas passé, merde. Cœur de pirate, c'est la mer noire. La mer noire. Elle a vraiment fait une chanson, c'est la mer noire. Non. Drapeau de pirate avec cœur. Le cœur de pirate est resté quand même. Ah bien joué. Cœur de pirate, il m'aime encore.
J'aime beaucoup le coup du le pirate est resté, mais c'était pas du tout ça la chanson de départ. C'est pas ça, la base. Pas du tout ça, ouais. Au 31 du mois d'août. J'avoue, ah, toi. Merde. Ah. 31 août, dernier jour de vacances. Ah putain, Jake, pourquoi t'en as dessiné deux? Bah c'est un duo, c'est bientôt la fin des vacances. Est-ce que tu viens pour les ou vacances les ouais, eux là. Vie des jeunes acteurs. Ah, c'était ça, j'en trouvais pas le nom. Oh, c'était pas ça au départ. Ouais. Puis, moi, j'ai pas compris là. Ouais. Oh, du coup, j'ai une autre idée de chanson. Ah, je viens de comprendre ce qu'il y avait dans la... Ok, dans la bulle. Duo. Je peux pas plus simple. Hein. C'est factuel. Aucune inspiration, hein, désolé. Ouais. Max Boublil, j'aime les morts. Oh, là. Oh putain. Oh, wow. Ah, c'était ça. Pas mal. Ah, il est pas. Un homme roux à moitié chauve pour un brun. Ah, oui, c'était ça. Waouh. Voilà. C'est parti loin. Je t'aime moi non plus. Putain, j'ai pas eu le temps de l'écrire, je crois. C'était... J'ai voulu mettre Je t'aime moi non plus, mais je crois qu'il est pas, il est pas passé. Ah putain, ouais. J'en étais sûr. Je l'ai capté à la dernière seconde et j'ai voulu changer. Deux cœurs qui s'aiment. D'accord. Ah, c'est dommage, je pensais plus à un Je t'aime de Encore Malade et Camille Lelouch, mais bon. Ouais. Ah oui, aussi. Plastique Bertrand, ça plaigne pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane. Ça plane. Ah, non, c'est tombé, c'est passé par autre chose. C'est passé par autre chose. Tombé du ciel. Voilà. Jacques ouais. Higelin. Ah oui, j'avoue. Ah, c'est Higelin, j'ai confondu avec un autre. Tombé du ciel. Bah, avec Hugo Frey, non, c'est pas ça? C'est ça. Non, parce que j'ai eu Santiano et après j'ai eu celle-là. Il va se passer un truc affreux pour ce gars-là quand même. Tombé du ciel, Hugo Frey. Ouais, clairement. Il est vachement proche là quand même. Moi je pense qu'il lui faut un nom en hol, mol, grol. Ça va plus, il a la tête tombé du ciel. En fait, on peut faire une BD avec tout ça. J'avoue. Si tu les regardes très vite, on voit que ça s'anime. En fait, c'est l'histoire d'Icar parce qu'au début il a des ailes et à la fin il les a plus. Hein. Ouais, c'est ça. Et la gravité fait que, comme il a la tête trop grossiste, fracasse. Et voilà. Oh, ben. Est-ce qu'il y a une chanson qui allait jusqu'au bout? Non. 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 Non, c'est pas ça. Non, les Connemara, à la fin, c'est devenu la tribu d'Anna. Presque, presque. Ouais. Au secours. Vous voulez faire quelle chose? Alors, les chansons, on vient de les faire. C'est ouais, on a un peu un cacahuète. Oh, on peut se refaire un libre, hein, si vous voulez. Je suis chaud. Ouais. En freestyle, comme dirait... Qu'est-ce que vous voulez faire? Un livre. Libre, thème libre. J'ai compris un livre, alors là. Je... Ah, on peut faire un thème livre hein, si vous avez envie, mais alors bon courage. Alors, alors que, s'il vous plaît, pas d'Harry Potter. Ah merde, vous connaissez ça? Ah, c'est bon, j'ai le livre pour moi. Si jamais on fait un thème livre, j'en ai un. Livre? Putain, moi, j'en ai un. Mais livre, c'est chaud, faut connu, que tout le monde connaisse. C'est compliqué les livres, ouais. C'est bon, je redessine Notre-Dame de Paris. Quel enfer. Dites-vous que la plupart des livres entre guillemets vraiment connus, ils ont été adaptés d'une manière ou d'une autre, que ce soit en chanson, en cinéma, voire en jeu. Donc il y a de quoi faire. On parle de livres, si jamais vous n'êtes pas inspiré, on peut parler, on peut aller dans de la BD aussi. Bah, pour moi, ça fait partie des livres. Allez. Ok. Bah, même thème de la BD, ça peut être bien ça. Livre d'une manière générale, si vous faites de la BD, vous faites de la BD. Littérature, voilà. Okay. Ouais. C'est bon pour tout le monde. Je suis en train de réfléchir à quelle BD je n'ai pas encore dessiné ou proposé. Pas Tintin. Pas Astérix. Oh, j'en ai pris cher aussi. Pas Lucky Luke, pas les Schtroumpfs. Qu'est-ce qu'il reste du coup des Schtroumpfs. Vous avez trouvé. Il y en a tout plein. Mais du coup, attends, on propose un titre de BD ou bien un titre de livre? Un titre de livre ou une BD d'une manière générale. Par exemple, si vous proposez une BD, n'allez pas proposer le 53e tome d'Astérix. Quoi. D'accord. Il n'y en a pas 53. Moi, je propose les Schtroumpfs et le Krakoukas. Oh là.
Vas-y. Allez, attention. Allez, moi je suis prêt. Allez. Donc on est sur des livres. Ouais. Format livre. Je suis gentil, franchement. Alors vous n'êtes pas obligé d'écrire le roman. Juste titre. Ah, bah en même temps, on a une limitation. Sur lesquels les 42 tomes, ça passe. Mon auteur en prime. Mais j'avoue. Franchement, ça va être trop bien. Imagine, tu proposes tous les tomes de l'encyclopédie. Ça va être trop bien jusqu'au moment où ça va passer chez moi. Il en manque un. Non, génial. Mais... génial. Oh. Ah, je suis ravi. Je suis tout fier. Fait... heureusement que Google a la ref. Hein. On a chien. Il n'y a pas de raison qu'il faille qu'il n'y ait que moi qui n'ai pas de culture. Hein. Qu'il n'y ait que moi qui n'ai pas. On a chien. Ouais, bon. Tirer la lune, ça me fait pas peur. Attends, parce que. Oh. Google, je sais plus comment c'est. Vite, vite, vite. Oh. Bon, là, je sais. Non, c'est nul. Piquez ou tu. Ah oui. Merde. Vraiment une tête d'abruti. Alors, pour info, Artrand doit aller au camion. D'accord, je suis content de l'apprendre, écoute. Si ça peut lui faire plaisir. Il joue à PUBG. Alors, moi, j'ai une phrase complète, mais je crois que je vais me contenter d'essayer de représenter le bonhomme. Alors, celui qui m'a foutu ce truc-là, je le déteste, parce que j'essaie de faire le... la couverture du bouquin... Et c'est un casse-tête sans nom. C'est peut-être celui que j'ai proposé. Je suis désolé. Eh ben, sache que je te vais. Voilà. En toute amitié. Évidemment. Oula. Du coup, ça va être très, très, très. Bon, vas-y, c'est. Je m'excuse pour le suivant, mais voilà. C'est de la faute du premier. Ou de la première. Toujours. C'est toujours de la faute du premier. Oui. Ouais. C'est à peu près ça. D'ailleurs, je suis sûr qu'il se livre des arts occultes. Oh putain. Quoi ? Ouais. Ah ! Oh, je suis peut-être pas si nul que ça en culture. Personne n'est nul. Alors, vu ce que j'ai différent. Vu ce que j'ai mis, ce que j'ai dessiné, ce que je dois deviner, on est beaucoup à être partis dans la même direction. Ouais. Je pense que je suis le seul à être direction. En marge de la société. Moi, le seul à lire des livres, c'est ça ? Voilà. Sur les trois, j'ai une BD, un manga, un roman. Bon. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Là, c'est ça aussi. La prochaine fois, je mets la Bible. Hein. C'est normal. Ah ouais, on peut tomber sur le sien ou pas ? Non, mais ça non. Veut dire que quelqu'un a eu la même idée que toi. Ah putain ! Ou quelqu'un a interprété la même quelque chose qui est tombé, qui correspond au tien. Ah, ils vont tenter une sortie, attention. Mmh. Ah non, il putsch. La Bible, j'ai failli. Hein. Ah ouais. Oh, ça aurait été tellement. Ouais. Oh, ça va, ça aurait pu être pire, t'aurais pu proposer le Coran. Ouais, on va pas dire pire et compagnie, ça va vous attirer des ennuis.
Alors, ça aurait pas été compliqué. Pire, mais on n'aurait pas eu les références. Ouais, c'est ça en fait. On n'aurait pas été tenu au courant. Enfin, après, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a ici qui sont musulmans. Mais moi, ouais, je... mais j'ai... en fait, mais le Coran, j'ai peur que ça parte très vite dans des clichés pas très très. Potable. Catholique, Charlie. Ouais, je pense qu'on est civilisé après. C'est franchement. Je pense que c'est plus simple que j'ai eu à dessiner pour le moment. Ah bah pour le coup, moi, il peut pas être plus simple. Et tu ne peux pas te tromper. Bah j'ai failli me tromper sur celui-là. Je me suis dit mince, le dessin n'est pas terminé. Enfin, je suppose que c'est le même parce que. Montre-moi ça. Et franchement, j'essaye de m'appliquer plus que la normale là. Là, je pense que je me suis foiré, mais méchamment là. Mais Non, dommage. Oh, trop beau. Oh, comment il s'appelle ? Mignon. Ah bah, c'est encore le même. Je l'ai pas. Ouais, c'est celui que je pensais. Effectivement, il y en a deux qui ont la même idée. Hein. Ce qui est relou, c'est quand tu reçois deux fois la même idée à dessiner. Bah, au moins c'est simple à finir après. Bah, au moins sur la deuxième fois, tu as fini le détail. Oui. Ouais, enfin bon, il y a pas grand. Avec ce que j'ai moi, il n'y a pas grand chose à affiner. Si ah, bah tiens. Droit... Quoi? Bon, bah, moi je dois dessiner deux fois la même chose. Qui serait... Et c'est très très minimaliste ce que j'ai à dessiner. Ah. Ah. Ouais, t'es tombé sur ce truc là aussi. C'est bleu, je crois. Alors, peut y avoir des scaves, vous ferez attention, les gars. Des quoi? Des scaves. C'est quoi? Des scavennes? Oh, j'en sais rien. Depuis qu'il a découvert ce jeu, je le vois plus. J'ai envie de dessiner Jeanne Masse, mais je sais pas si. Ah, je vois ce que c'est. Bah oui, mais. Première fois, ma toute première fois. Non, pas en fait, ça, le pire, c'est que je suis pas la dernière sur ce dessin. Ça va partir. Il y en a une autre. Mon Dieu, du coup, je suis sur Google Images et j'ai des photos de Jeanne Masse et elle a pas bien vieilli. Hein. Oh, niveau coupe de cheveux, c'est mieux quand même. Ah ouais, mais. Ah oui, effectivement. Moi, je la connais pas, alors ça va. Ah d'accord, oui, j'ai compris. Ouais. Et j'ai le même but. Peut-être même le temps de faire quelques détails. Au moins le bruit de détails, hein. Je suis très, très succinct. Ce qui manque, c'est la pipette. Oui, bon. Tout à fait. Je suis d'accord. Sans contexte, c'est compliqué. Hein. Hein? C'est ce que... C'est dur là.
Bon, il y en a deux qui vont aller jusqu'à la fin, il y en a deux qui sont perdus très vite, je pense. Oh, j'en ai eu quelques-uns, c'était plutôt évident, enfin bien quoi. Ah ouais, ok. Hein? D'accord, on est passé sur un. D'accord. Ne t'étouffe pas. Oui. Mais on va y arriver, oui. C'est pas la bonne queue. Hein? Contexte. D'accord. Contexte. 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 Oh, hé. On aurait pu dire titre. Ouais, c'est vrai. T'es trop jeune pour ça, toi. Qui ça? Toi. Oh, comment ça, je suis trop jeune? Bah, c'est pas Ando qui parle? Si. Bah si. Trop jeune. T'es plus jeune que moi, non? Bon, pas de grand chose. Ça dépend, t'as le même âge que Squeezie? Non, je suis plus vieux. Plein. T'es plus vieux que Squeezie, toi? Bah oui. Ah ouais. Oh, le bon pas ben. De beaucoup, mais oui. Squeezie doit être d'avril, et puis toi, t'es de pas grand chose. Non, mais je crois qu'il y a 2 ans d'écart. Oh yo yo, incroyable. Squeezie est de 96. Ah non. Voilà. Ouais, c'est un petit jeune. Qui dit mieux? Mieux. Bah, moi, je suis de 96. Foutu. Oh les bambins, terrible. Ouais, non, mais moi j'ai vite. Ouais. Il lui manque un bras, le pauvre. Aïe aïe aïe. Pas de bras, pas de chocolat. Bah, exactement, hein. Ouais, donc il y en a au moins deux qui sont gardés jusqu'à la fin. On est d'accord. Je connais pas. Je sais plus si c'est. Attends. Ouais. Alors là, je l'ai pas. Hein. J'aime bien ça, Pédic, ce thème-là. Ah, c'est la fin. Le rouge et le noir. Ah, c'est oh, toi. Dis donc. Et quelqu'un d'autre. Il y en a eu deux. Là, je me suis dit que c'était le logo de la Société Générale. Le rouge et le noir. Stendhal. Le truc le plus simple, tu sais. On va faire toutes les variantes. Une petite variante, ouais. Le rouge et le noir. Le noir. Non, je pensais pas que quelqu'un... On noterait que Sifren a fait une variante du drapeau anarchiste. Le rouge et le noir. Stendhal. 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 C'est incroyable. Le rouge et le noir. Oui. C'est trop bien. Ils mettent les intonations. Oui, il y a l'intonation. C'est magnifique. Dites-le dans ton. Je suis désolé pour celui-là. En fait, le nécronomicon. Oh, t'es sérieux. Ah, je sais ce que c'est devenu. Je n'ai pas. Il y en a un qui a abandonné là. Blagues, il fait de la broderie en fait. Oh, il est trop bien ce livre. Oh, bien, il est trop bien, vraiment chiant des. Ah. Ouais, Rose gloire puissance de la ruine. Qu'est-ce à dire que ceci, quoi? Boussole. Ah, c'est la couverture d'arcade du chaos, hein, que j'ai faite.
Rose des vins. Personne pour faire une petite, un petit hélicoptère avec Sylvain Auger, non? Oh, les tirs, hein. À la croisée des mondes, non, la boussole. Ah. J'avais du temps, du coup, j'ai mis de la couleur. Belle tentative, hein. Achille Talon. Il est allé jusqu'à la fin. Celui-là, non, il n'y a pas moyen de se tromper, je pense. Hein. Moi, je crois qu'il a deux. Achille Talon. En tout cas, pas merci au dernier dessinateur parce que. Ah, sympa. Oui. Merci Google Images. Achille Talon. Oui. Oh, bah, tout le monde a fait ça. Non. C'est les hommes. Achille Talon. C'est ça en plus. Achille Talon. J'adore cette vidéo. Alors, Imra, j'ai eu un doute. Imra. Achille Talon ou l'Iliade, grand sourire. Grand sourire. C'est incroyable. Si vous mettez deux points haut, il va dire visage choqué. Ah bon ? Oh, c'était trop blanc. À faire. Oh, j'ai ruiné celui-là. Le bouquin est tellement bien, j'ai envie de le relire. Trop bien. Oh, t'as trouvé Cro Blanc. Comment t'as fait ? Bah ouais. Il est trop bien, ce bouquin. Je pense qu'en une soirée, tu le plies. Hein. Cro Blanc. Ah, c'est passé. Bravo. Il est pas si facile. Ah ouais, il est pas. J'ai cherché livre avec Cro de loup. Ah ouais, alors là, par contre, il s'est passé quelque chose. Loup-garou. Ah ouais, il a buté. Hein. La drogue, ce fléau. Aïe, aïe, aïe. Le loup-garou. Souris-garou. Souris-garou. C'était pas la bonne queue. Elle est mignonne. Aïe, aïe, aïe. Le rouge et le noir. Encore un tiendon. Ah, c'est marrant, ah ça. Bon. Bah, en fait, je vois les grands esprits qui se rencontrent. Hein. Ouais. Petite variante. Le rouge et le noir. Tu es diversifié, alors, dis donc. Oui, j'ai quand même, j'ai vu. Hein. Le rouge et le noir, Stendhal. Ouais, que chacun il va de sa petite façon de corriger ses erreurs sur son rouge et son noir. Le même que tout à l'heure. Le rouge et le noir. Stendhal. Et bien, on va jusqu'au bout. Le truc. Oh, qui était en plus. Il y avait un peu le rouge et le noir de Stendhal. Alors, il y a ceux qui ont la culture qui mettent le nom de l'auteur et il y a moi. On a pas cherché comment ça s'orthographie. Gaston Lagaffe embrasse Madame Jeanne. Ah, désolé. Ah ouais. Ouais, on est resté sur le plus simple. Madame Jeanne, Gaston, c'est son chat. Lagaffe. Non, Madame Jeanne, c'est sa copine. Sa copine, sa copine Madame Jeanne. C'est la Jeanne. Elle est où, Jeanne? C'est pas votre Jake. Hein. Gaston Lagaffe. Lagaffe a écrit comme Vincent Lagaffe. J'avoue. Ah, la fameuse mouette. Gaston Lagaffe. Bah, j'ai pas eu le temps de finir. Tout ça pour une mouette. Ça vous dirait monsieur de Mesmaeker. Exactement. De Mesmaeker. C'est incroyable. En fait, que Madame Jeanne, enfin, Madame Jeanne, elle a été éclipsée, la pauvre. Ah, j'avoue que. One Piece. Ah, perdu. Ouais, perdu. Oh oui, non. Bah, One Piece, une pièce. One Piece, une pièce. J'adore. Hey. Il était trop bronzé, t'as changé la couleur. Oui. Non, moi, je vais m'enterrer dans un coin parce que j'ai. Voilà. Aïe, 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 aïe. En vrai. Ah, bah, tu vois. C'est le manga. Sans que je l'ai pas lu ou pas. Et Natsu, mais pourquoi il n'a pas de couleur de cheveux? Le chat du rabbin, J. Mais. Ah, mais c'est lui, le mec des cheveux roses. Il a les cheveux roses. Ouais, ouais. Fairy Tail. Ah, bah, c'est celui-là, ah, bah, du alors coup, que j'ai eu le mec avec les cheveux roses. Ah, merde, j'ai mis autre chose. Ah, je suis désolé, c'est Natsu. Ah, je le disais. Non, parce que moi, j'ai eu... Ah mal. Bonhomme, cheveux roses. J'ai eu costume renaissance. Costume renaissance. C'est pas mal. Allez, on est parti ailleurs, là. Un mec avec les cheveux roses, une écharpe verte et un mantéa. Mantéa. Ah bah voilà, Fairy Tail. Ouais. Alors on tourne sur Fairy Tail. La crête rose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aïe, aïe, aïe. Naruto.
regarder celui-là. Je pense. Manga est très limité. Hein. On a été, originaux quand même. Du planté sur les bouches sur les joues. Naruto. Pourquoi? J'ai fait des ronds, mais c'était pas des ronds, c'était des traits. Ah. Il y a pas beaucoup d'ailleurs. Ah, les petits ronds, oui, d'accord. Ouais, t'as dessiné Shoji et pas Naruto, quoi. Oui. Ouais, c'est pas la même personne, je veux dire, ils se ressemblent Naruto. Tous. Naruto. Oh, Shoji, ouais. Ah, ça va. Il est du Nord, celui-là. Naruto. tout le monde a été chercher le logo de Konoha, vous avez essayé de s'en rappeler. Avec la coupe mulet. La coupe mulet, ouais. Pas mal. On aurait fait une pierre de foyer. C'est vrai. C'était bien bon, drôle. Moi, je vais vous laisser. D'accord. Okay. Je vais partir aussi. Oh. Bonne fin de soirée. Bonne soirée aux ceux qui partent. Bonne soirée à ceux qui partent. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Moi, je poursuis.